La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 11, article 4. Dieu est-il souverainement un? Saint Bernard dit: l'unité de la divine Trinité tient le premier rang parmi les choses une. Sommaire. Dieu étant souverainement être et souverainement indivisé, il est souverainement un. Corps de l'article, explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Puisque l'un est l'être indivisé, pour qu'une chose soit souverainement une, il faut qu'elle soit souverainement être et souverainement indivisée. Or Dieu est l'un et l'autre. D'abord, il est souverainement être, car il est l'être même subsistant, l'être infini, sans détermination de nature, sans limite d'accident, sans borne d'aucune façon. Ensuite, il est souverainement indivisible, car il ne peut être divisé d'aucune manière, ni en puissance, ni en acte, puisqu'il est simple sous tous les rapports, comme nous l'avons prouvé plus haut. Donc Dieu est souverainement un. Objection. Il paraît que Dieu n'est pas souverainement un. Première objection. Un nie la division. Or la négation n'admet ni le plus ni le moins, donc Dieu n'est pas plus un que les choses qui sont une. Réponse. Si la négation ne renferme en elle-même ni le plus ni le moins, elle les emprunte à son contraire. Ainsi, selon qu'une chose est divisible plus ou moins ou pas du tout, l'on dit qu'elle est moins, plus ou souverainement une. Deuxième objection. Rien n'est plus indivisible que ce qu'il est en acte et en puissance, comme le point et l'unité. Or une chose est une dans la même proportion qu'elle est indivisible. Donc Dieu n'est pas plus un que l'unité et le point. Réponse. L'un et le point, qui sont les principes de la quantité, ne sont pas souverainement être parce qu'ils n'ont d'existence que dans un sujet. Ces deux choses ne peuvent donc être souverainement une. Comme le sujet n'a pas l'unité souveraine parce qu'il diffère de ses accidents, de même l'accident ne l'a pas non plus. Troisième objection. Ce qui est bon par essence est souverainement bon. Donc ce qui est un par essence est aussi souverainement un. Or tous les êtres sont un par essence, comme on le voit dans la métaphysique d'Aristote. Donc tous les êtres sont souverainement un, donc Dieu n'est pas plus un que les autres êtres. Réponse. Bien que tout être soit un par substance, cependant, la substance ne produit pas l'unité de tout être, car elle est simple dans les uns et composée dans les autres.